on est foutu. Mais non. Bonjour employé, bienvenue à la haute instance d'inquisition. Je suis l'intelligence artificielle, Al. Nous allons procéder à votre interrogatoire. Je te l'avais dit qu'elle puait ton histoire d'amnésie. Tais-toi maintenant. Si vous abordez cette expérience dans un état d'esprit positif, tout se passera de manière indolore et non invasive. Donc surtout, tu m'étonnes plus maintenant. Ta gueule. Mais ta gueule. T'es plus chiant qu'une dysenterie mexicaine, tu le sais ça. Afin de calibrer nos logiciels d'analyse émotionnelle, merci de bien vouloir répondre honnêtement à ces questions élémentaires. Employé numéro 1, vous vous prénommez Caleb. Oui. Vrai. Employé numéro 2, vous vous prénommez Hippolyte. Ouais. Vrai. T'en penses quoi, toi, de leur histoire de monde parallèle? Rien. Mais on va bientôt savoir à quoi s'en tenir, nos méthodes d'interrogatoire sont infaillibles. Reste à voir si on va aimer ce qu'on va apprendre ou pas. Employé Hippolyte, avez-vous déjà porté les sous-vêtements de votre mère? Ouais. Vrai. Mais quoi? Elle est restée bloquée un moment dans un monde hostile. Du moins, c'est ce qu'on pense. Il faut dire qu'après son entrée fracassante, elle n'a pas été très cohérente. Au niveau physiologique, elle se porte comme infâme. Oh mon Dieu, j'y crois pas. Du flan. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé de flan. Du côté de Ciboulot, par contre, je garantis rien. Si elle a séjourné sur le territoire des créatures qui nous ont attaqués, hein, pas étonnant qu'elle ait fondu quelques fusils. Apparemment, ça lui a pas coupé l'appétit. Monsieur Truman voudrait que vous l'interrogiez afin d'obtenir des informations supplémentaires sur les zombies mélomanes. Il est marrant, lui. Pourquoi il s'en occupe pas? Bah, il doit assister à une réunion importante. Après tout, c'est votre ami. Quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Ah merde, vous êtes sérieux, là? Je vais voir ce que je peux faire. Nadège, ma poussinette. Nadège! Quoi? Vous vous sentez mieux? Mais carrément! Ça fait 2 ans que j'avais rien mangé d'autre que des conserves passées d'âge. 6 mois, vous voulez dire? Vous n'avez disparu que pendant 6 mois. Vous êtes sûr? Le temps doit passer beaucoup plus vite là-bas, en fait. Justement, à propos de ce là-bas, j'aimerais bien savoir ce que... La ferme! Pardon? Chut! Men down, rom pa pa pom, rom pa pa pom, rom pa pa pom. Ah! Non mais ça va pas, vous êtes tarés, vous aurez pu me broyer le... mon lait. Connasse, va! Bon mais j'en ai marre, moi je me casse, malade. Pas de mauvaise musique, jamais. Ça les attire. Caleb, vous faites l'interrogatoire. Je n'ai pas comprise votre dernière réponse. Veuillez la répéter en prenant soin de bien articuler. Vous savez quoi? Ça me saoule de faire la conversation à une boîte de conserve. Alors si le mini-pouce, il veut des réponses, il a qu'à venir poser sa question lui-même. Employé Hippolyte... Qu'est-ce que tu fous là? Mais je suis pas au camp, Hippo, tu vas décontrarier là. Rien à foutre. Qu'est-ce que tu veux qu'il nous fasse? Au revoir Robocop. On se rappelle pas. Employé Hippolyte, veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Confirmez-vous venir d'un monde parallèle au nôtre? Pour la 12e fois, oui! On a traversé un truc spatio-bidule chose et interverti nos places avec vos vrais employés! Combien de fois il va falloir qu'on vous le dise? Ça expliquerait les données qu'on a relevées au moment de l'attaque. On a relevé une production de tachyons et même d'antimatière. C'est cohérent avec leur version. Êtes-vous responsable de la venue des créatures désignées sous le nom de zombies hurleurs? Mais pas du tout, pas du tout! Elles nous ont attaqué aussi! On sait même pas d'où elles viennent, ces saloperies! Bah, peut-être que si, en fait. La faille qu'on a traversée est instable. Rien ne dit qu'elle ouvre un chemin définitif entre notre monde d'origine et celui-ci. Elle peut très bien donner sur une infinité de mondes différents, dont un où les zombies hurleurs sont légion. Mais on y est pour rien! Techniquement, non. Vrai! Ah! Vous voyez bien, vous avez pas menti!
Bah si, un peu au début quand même. Non mais putain, me tombe la paix à merde, bougre d'abruti. Vous deux, dans mon bureau, immédiatement. Vous allez me parler plus en détail de ce monde dont vous venez. J'aimerais mieux ne pas en parler. Faites un petit effort, vous serez gentil. Non, vraiment, n'insistez pas. Non, non, non. Je lâche la ferme. De la diplomatie, Caleb. De la patience. Allez-y en douceur et... Femme et fille, t'arrêtes de jouer les cafouilles maintenant. Le monsieur te demande des informations sur les créatures qui ont traversé le vortex avec toi. Je ne peux te faire un trou de balle de nous répondre, hein. Quoi? La notion de tact, elle n'existe pas en Uberval. Mais facita. On les appelle les choristes. Elles pullulent dans cette autre dimension. C'était un monde quasiment identique au nôtre, d'après les rares survivants que j'ai pu rencontrer. Mais tout a changé après le cataclysme. Quel cataclysme? Vous connaissez cette affreuse chanteuse canadienne, celle qui nous brise les tympans depuis ce film à la con avec le bateau qui coule? Céline Dion. Voilà. Et elle voulait absolument enfanter, mais son mari... Comment dire? Le René, il tirait à blanc, quoi. Oui, bon, venez-en, au fait. Ne voulant pas entendre parler d'un quelconque donneur de gamètes, les docteurs lui ont proposé une nouvelle thérapie génétique pour lui permettre d'avoir une descendance. Par autofécondation. Bon, ben, c'est là que je me barre, moi. Allez, bon courage. Bisous bien. Au début, le traitement a été une réussite. Tellement que 3 autres chanteuses à succès ont demandé à être intégrées aux essais. Mylène Farmous, Avril Lavigne et Justin Bieber. Justin Bieber a suivi un traitement pour la fertilité? Bah oui, après son opération de changement de sexe, ils lui ont greffé une énorme... Oh, j'entends Caleb qui m'appelle, ça doit être terriblement important. Je vous prie de m'excuser. J'arrive, Caleb. J'arrive. Tout allait bien jusqu'à ce que les effets secondaires commencent à apparaître. Les cobayes ont commencé à subir une série de mutations monstrueuses. Telles d'immondes reines aliens, elles se sont mises à pondre des dizaines, puis des centaines de rejetons mutants dénués d'âme et dotés de pouvoirs psychiques. Animés d'une agressivité sans pareil, ces hordes sauvages sont ruées sur le monde, ne laissant que des ruines sur leur passage. En l'espace de quelques mois, plus un seul territoire n'échappait à leur domination. Je ne sais pas comment j'ai pu survivre aussi longtemps là-bas. Alors quand j'ai vu une faille s'ouvrir, je n'ai pas hésité, j'ai tenté le tout pour le tout. Et heureusement, cela m'a conduit à... Ils sont passés où? Aux fiottes. Pour vomir, sans doute. Mais ne vous inquiétez pas, moi ça me dérange pas les bons gros détails falaf. Bon alors, faites Justin Bieber. Ils lui ont bien greffé une énorme... Oh, notre nadage a bien changé. En tout cas, elle apprécie les détails cocasses. Et dire qu'avant, c'est elle qui me reprochait une certaine vulgarité. Oh, baliverne. N'empêche, son histoire à votre copine, elle fait froid dans le dos. Vous croyez qu'il faut s'attendre à voir débarquer d'autres créatures? J'espère bien que non. Et vous êtes plutôt bien occupé de celles qui nous ont agressées. Oui, je sais. Je peux être particulièrement impressionnant quand j'agite mon engin. Je parle de ma baguette. Ma baguette magique. Enfin, voyons. Non, voici mon faute. Voilà, enfin... Voilà. Quoi qu'il en soit, la faille est refermée. Je vois donc aucune raison de s'inquiéter. Vous m'expliquez, c'est quoi ce bordel?